Oh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis pour un nouveau let's play. Enfin non, mais non, mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. On est parti pour une nouvelle partie, hein, de ce let's play Pokémon Emerald. Souvenez-vous, ça fait au moins deux... Ouais, ça fait deux épisodes en arrière, on n'arrive pas à battre Voltaire. Enfin, on n'arrive pas, j'arrive pas, j'ai pris le pire starter ever pour faire Voltaire, puisque j'ai pris la plante et ça ne fonctionne pas. Et donc voilà, mon t-shirt bug. Ah, c'est la première fois qu'on me sort ça, un mec dans le chat, il me dit mon t-shirt bug, c'est vrai, et mon t-shirt là, je sais pas ce qui lui arrive, il bug, il répond pas. Pourtant, je l'ai rechargé avant de venir, j'ai tout fait, hein, mais là il bug, il a des problèmes. Je le redémarrerai après mon t-shirt, t'inquiète pas, normalement ça devrait plus bugger. C'est un t-shirt vert, mec, c'est un t-shirt vert, il bug pas, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Je veux dire, c'est comme si tu me disais, regarde cette feuille de papier, elle bug. Ce n'est pas de sens, hein, ça ne marche pas. Bon, alors on est parti. Voltaire, c'est la merde. Regardons ce qu'on a. Bon, tous les gens, je me suis fait insulter dans les commentaires. Ouais, tous mes machins là, tu sais pas jouer, il faut aller chercher un Pokémon feu. Alors, ma question est, où trouvons-nous un Pokémon feu là, right now, tout de suite, maintenant, à l'instant T, au moment où je vous parle. On a fait à peu près tous les dresseurs du monde. Le problème, c'est que j'ai plus grand chose à faire ici. J'ai mis T-Pouce Télévision qui est bien entendu à la pension, hein, exactement. Et voilà, j'ai plus trop d'argent, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai plus trop de thunes. Oh là là, on est fauché comme les blés. On est fauché comme les blés, les gars. Donc ça, c'est la merde. Oh là, et on est vraiment dans la merde. Va falloir qu'on avance quand même. Allez, hein, ça suffit la comédie. Donc là, on va avancer. Ça va bien la comédie. Donc il faut qu'on prenne un Pokémon de plus. Je peux pas récupérer tes pouces parce que ça va me coûter de l'argent. J'ai plus une thune. Donc qu'est-ce qu'on fait, les gars? On avait une strat qui fonctionnait plutôt pas mal. Si on met. C'était un Voltaire en premier. On rappelle que la dernière fois, on n'a pas eu de chat. C'est-à-dire que la dernière fois, le problème c'est que Xari s'est fait one shot. Il y a eu un first destruction pour le Voltorb. Les gars, on va parler rapidement. On peut taper des mobs dans les herbes, bien sûr, on peut taper des mobs dans les herbes pour qu'Ogar prenne du level. Mais sinon, si on réfléchissait vraiment, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? Je rappelle qu'il y a un Voltorb, un Dynavolt, ensuite c'est un Magneton. Le Magneton est le plus gros problème, et l'Elexprint qui est à la fin. Et l'Elexprint peut mourir aussi rapidement. Le problème, c'est qu'ils font quand même pas mal de dégâts. Le mec Apex le plus, selon moi, ce serait Ogar, parce qu'il pourra one-shot beaucoup de personnes. Donc qu'est-ce qu'on fait, les gars? Notre coach et la strat est la suivante. Son premier Pokémon Voltorb, tu mets n'importe quoi. Ah mais non, pas forcément. Pour Dynavolt, tu prends Xari. En sorte qu'il utilise une super potion et tu stack au max plénitude tout en utilisant. Ouais mais Dynavolt il va me one shot Ouais mais non mais Dynavolt. Mais non, ça marchera pas comme ça. Parce que Dynavolt il va me one shot Xari, hein. Xari, tu te rends pas compte à quel point il a no résistance en fait. C'est ça qui est infâme. Donc du coup ça reste méga chaud, quoi. Ouais mais bon, j'aimerais bien capturer un Pokémon feu, mais j'en ai pas des Pokémon feu. Là c'est un Dynavolt. Qu'est-ce qu'on fait? Ça me va pas. Tu prends Zerator et tu gagnes. Non, justement, Zerator, c'est le mec qui me sert de mule, quoi. Il est tellement en retard sur le truc, c'est pas possible. XP Serenity pour avoir l'âme feuille. Ouais, est-ce que l'âme feuille, ça va faire quelque chose, tu vois? Dans tous les cas, tu n'as pas de sous pour acheter des potions. Ah, exactement, j'ai pas une thune. Dans tous les cas, j'ai zéro thune. Donc c'est la merde. Va chercher un Pokémon sol dans le désert, peut-être déjà Éclatroc pour passer. Non, justement, mec. Le problème, c'est qu'on peut pas continuer parce que Éclatroc, je ne peux pas l'utiliser. Éclatroc, tant que je n'ai pas battu le champion de la... Oh, merde. Tant que je n'ai pas battu le champion de l'arène avec... Oh, Goupti. Tant que j'ai pas battu le champion de l'arène, je peux pas utiliser Éclatroc en dehors de l'arène. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vente tes parents. Ah, ça, je pense que ça marche pas. On va lui mettre un coup de boule à lui. Lui, c'est poison... Non, c'est sol caca, je sais pas quoi. Ouf, les dégâts monstrueux qu'il m'a mis. Putain, je sais pas si je vais m'en remettre. Non, je vais aller à... Je sais qu'à Poivre Sel, il y a des dresseurs que je n'ai pas fait sur la plage. Et je vais aller les faire. On va faire comme ça, les gars. On va faire comme ça, on va aller faire le bordel là-bas. Non, mais XP au gars, coup de boue va être ok. Oui, j'XP au gars. Oui, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Coup de boue est vraiment très fort. Coup de boue, ça fait masse damage. Regardez, là c'est un Medina, c'est un typical T-Pouce. Typical mec qui se fait one shot forcément, puisque c'est T-Pouce. Non, mais pour moi, Ogar est la clé. Mais le problème, c'est que Ogar, il tank 0. On a un super bonbon aussi, je rappelle. Mais ça nique un peu les EV. Donc c'est chiant. On peut faire un coup ici aussi. Là, ça prend du level. Ah non. Ah, d'accord. Est-ce qu'il va me. Attends, on va faire un nouveau dé. Je pourrais quand même laisser réfléchir encore un peu, tu crois pas? Ah, j'avais jamais vu ça. Le mec, il a pas réfléchi encore. Je croyais que ça enchaînait direct. Donc je ne peux pas faire la maison des pièges encore. Ok, d'accord. Ça va. Et là, il n'y a pas des Pokémon de feu là? Genre un Pokémon de feu qui se serait perdu ici, par exemple. Non.
Vous savez pas. Si tu peux, gogo. Ah, je peux y retourner. Non, je peux pas. Mais non, je peux pas, il vient de me dire à l'instant, non, on peut pas. C'est what the hell, les gars. Vous venez pour un américain, quoi. Donc, voyez, coup de boue contre Dynavolt et Lexprint sera super efficace. Contre le Magneton, ce sera super efficace également. Il reste ce problème de Voltorb. Voltorb, faudrait que j'arrive à le one-shot et qui m'emmerde pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, faudrait que je mette Ogar en premier contre le Voltorb pour qu'il mette double coup, enfin coup de boule, et à mon avis, il va à destruction. Soit super potion, enfin on va voir. Attendez, y a pas un item caché là? Non, pas du tout. Non, alors là, absolument pas. Donc voilà, là c'est quoi? Est-ce que dans la tente de combat, je prends de l'XP? Est-ce qu'on peut tenter la tente de combat justement? Parce que là c'est la merde. Va chercher un racaillou à l'île Myokara. Mais non, il pas du tout. Go XP ton Pokémon contre des level 17, pas 13. Bah oui, justement, c'est ce que je vais faire. Là, je vais chercher la fin des les derniers dresseurs que j'avais laissé là-bas pour Avrocel. Ça doit être pas mal, doit être niveau 15, un truc du genre. Là, j'y suis pas allé ici, justement. Donc, lui, il me dit, je suis le propriétaire de la maison, mais tu peux m'appeler monsieur maire. Nan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 
Merde, j'ai pas pu aggro celui à droite. Je sais pas si on a pu en combat d'abord. Bon, c'est pas grave. Bon, après Rachel, on a Véro. Véro qui nous attaque. Alors, comment tu peux t'appeler Véro et genre avoir 10 ans quoi? C'est pas un prénom qui à partir que des. Enfin, d'un certain âge, genre 30 ans quoi. Oula, l'attaque charge. Tous les combats qu'on a fait réunis, Ogar a quand même perdu 3 HP depuis le début. Hein. C'est quand même assez violent. Voilà, c'est parfait, mon gars. Là, il passe le level. Si, easy. Tu passes le level, Ogar, bien, wesh. Très bon ça. Parfait, flotteur Véro est tombé. Par contre, concernant les 52 Poké Dollars qu'il m'a donné, c'est un peu de la merde, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il est d'accord, okay. Donc là, on a personne. Lui, on s'en fout. Là, y'a rien. Y'a rien. C'est bon, bon, on a fait passer 2 levels à Ogar. Est-ce qu'on va acheter des trucs ou pas? Est-ce qu'ici, on achète des trucs? Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter, déjà? Si tu veux un conseil, tu devrais retourner à Mérouville pour aller chercher le vive griffe qui est donné par... Ainsi que le multiplex de Monsieur Rochard. Mais je peux pas aller le récupérer encore, le multiplex de Monsieur Rochard. Je peux pas encore le récupérer, il me semble. Il me semble que je ne peux pas encore le récupérer. Est-ce qu'on prend de la super potion pour les soigner, pour tes PP manquants? Oui, alors, les... non, j'ai des trucs pour les PP déjà. Donc ça me va. Le truc, c'est super potion... Ah ouais, ça coûte la blinde. Bon, j'ai des soda cool. Ah oh là là là. Ma soeur s'appelle comme ça, excuse-toi. Oula, oula, oula. Ta soeur s'appelle Véro. Eh ben, t'es déçu. T'es déçu, voilà. Est-ce que là, on peut faire de l'XP? Est-ce qu'on peut, on peut faire de l'XP ici ou pas, les gars? Je veux savoir. Non. D'accord, ok. Ok, super. Donc en fait, en gros, on s'en bat les couilles, vous me dites d'ici. C'est parfait, c'est nickel. Donc retournons. Mais pourquoi je fais ça, en fait? Je suis un gros débile. J'ai juste à faire ça, comme ça, Pokémon. Xari, alors faut qu'on prenne peut-être une mule de plus. Non, vous pensez pas? Je vais aller voir ce qu'on a comme Pokémon au centre Pokémon. Qu'on a récupéré, mais je crois que c'est très très bas level. Hein. On a du pur shit. Hein. On a du gros pur shit. Donc on va soigner Ogar, enfin soigner Ogar. Juste lui remettre tous ses PP, justement. Donc là, je suis un peu plus confiant. Bon, la stratégie, on commence avec qui sur le Voltorb? On commence avec qui? Le Voltorb, c'est le souci. S'il n'y avait pas Voltorb, ce serait parfait. Mais c'est le gros problème. On commence avec qui sur le Voltorb, les gars? Alors, retirer. Qui c'est qu'on retire? Ah merde. Ah oui, d'accord. Ah oui, on a capturé énormément de Pokémon. Bravo. Ah super. Ah, ah GG. GG mentalité. Ok, bon, on se casse. On a rien du tout. Faut aller récupérer Badiena. Zerator, ouais mais non, mais je pense pas que Zerator c'est trop all-in en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce que je veux dire c'est que si on prend Zerator, c'est vraiment compter sur la méga chatte hein. Prends au guerre pour la fin, putain, ouais mais ça va être dur hein. Non. Oui. Oui. Nice, c'est... Eh, t'épouse il a pris 10 levels les mecs. 10 levels. Pokémon. Il est niveau 18. Eh bah écoutez ce qu'on va faire. Bah voilà. T'épouse. T'épouse maintenant, c'est nickel. Allez, sauvegardons, on sait jamais. On sauvegarde. On sauvegarde. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre T'épouse en premier mec. Ça va être très très bien. T'épouse est dans la place. T'épouse est dans la place. Ok. Allez T'épouse. Maintenant que t'as pris mass level. Ok là, oh la team a chier. Oh les mecs, sont là. Oh la team a chier. Mais arrêtez de dire ça, c'est pas très sympa. Arrêtez, wesh. C'est pas très cool. Moi, je pense que ce n'est pas une team hachée. C'est juste une team qui est pas très forte contre ce genre de Pokémon. Bon, alors. J'ai la pression. Ce qu'il y a, c'est que T'épouse, là, il sert à rien. Genre, résumé. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Il a jet de sable. Oh, il a morsure, maintenant. Grandement, jet de sable, morsure. Grogne pour se rassurer et booster l'attaque. Est-ce que le fait de booster l'attaque avec grondement, ça influe sur morsure ou pas? Ça, je veux savoir. Je veux savoir. Après, j'ai la reine feu et vol. Non, mais ça, c'est pas un souci, feu et vol. Ah, ouais, feu, ça va être un souci. Oui, ça influe. Alors, il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui. Ouais, bon, bah écoutez, tu seras mort avant de le lancer, d'accord, ok. Ok, bah écoutez, on va voir. On a des soda cool. Putain, j'ai la pression, mon gars. Oh là 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 là. Non, mais il est trop dur. Lui, il est trop dur.
Inch'Allah, on va voir, Inch'Allah. C'est parti, Voltorb. Voltorb, alors là, avec un peu de chance, il met l'explosion. Enculé de rien. C'est bon, ça tient. What? Ah, voyez la chatte. C'est ce que je disais, c'est exactement ce que je disais. C'est de la chatte. C'est de la chatte, mon gars, mais... Oh, mais c'est ta mère, en fait. Ça rend ouf, quoi. Bon, c'est bien, on a pu temporiser un petit peu. Le mec, il veut se rassurer, t'sais. Oh, merde. Putain. Mais le problème, c'est que Voltorb, je peux pas... je ne peux pas. Voltorb, je ne peux pas. Choc mental. Voilà, vous voyez la chatte. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est quand même n'importe quoi. Enfin, moi je veux pas juger, mais c'est quand même n'importe quoi. Destruction, quoi. Mais il aurait pas fait destruction si j'avais pris Ogar. Là, je dois prendre Ogar. Là, je suis obligé de prendre Ogar. Oh là 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 là. Ça, putain. Ok. Donc là, les gars, ce qu'on va faire. La strat est simple, c'est coup de boue. Là, il va faire grondement. C'est coup de boue. Coup de boue. Tombe roche. Et après, on le soigne. Bien joué, ça. Bien joué. Eh, Ogar, il est là. Ok, onde de choc. Pas de problème. Pas de problème, onde de choc. Tu sais gérer ça, Ogar. Bien joué. Ok. Là, il va utiliser une potion. Ah non, même pas. Alors là, on croise les doigts. S'il fait un coup critique, on est obligé de recommencer. Parce que s'il meurt. C'est bon. Voilà, c'est parfait. Très très bon. Très bien joué. Bien joué, Ogar. Bravo, on applaudit Ogar. Bravo, Ogar. Ogar. Oui, on change de Pokémon. Donc là, on change de Pokémon. On sacrifie Zerator. Je vous explique pourquoi. Zerator, là, sert de mule. Il va servir pour jeter une potion. C'est-à-dire le soda cool sur Ogar, le soigner. Donc là, c'est très bien. Ma stratégie est en place. Ah mais j'ai plein de super potions en fait. Ah ouais. Ah j'ai plein de super potions. Oh merde. Ah j'avais pas ça. Très bien. Alors là on a de quoi tenir. Oh nice. Ok. Donc là bon Zerator meurt. D'accord, très bien. Très bien, bravo Zerator. On applaudit Zerator. Zerator qui a donné son boule pour le peuple. Alors on part sur quoi là? Est-ce qu'on part sur du Lege ou sur du Ogar directement? Ogar faut pas qu'il meure. Sachant qu'Ogar faut pas qu'il meure. C'est le problème. Si Ogar meurt, c'est la fin d'El Mundo. Ou alors on part sur Sarenz. Mais là, là c'est quand même chaud quoi. OP Zera. Bah oui. Ogar direct. Bon allez, les gens sont pour Ogar. Lege se fait one shot. Alors il se fait pas one shot Lege, hein, mais c'est vrai qu'il prend cher. On part sur un tombe roche direct. Ok, Sonic Boom, c'est 20 HP. Ça passe. Ah, c'est pas très efficace. Ah merde, c'est le coup de boue qui est efficace. Bon, écoutez, je savais pas. Bon, là, ça m'enlève pas 40 HP, impossible. Sinon, j'explose le clavier contre le mur. Ouh, putain de merde. Enculé de rire. Trindamer, mon gars. De la pression. Quoi? Manier piège? C'est quoi ces conneries là, manier piège? Oula, Ketal! C'est quoi ces conneries de manier piège? Oula, attends. Concernant les dégâts, est-ce qu'on peut changer de Pokémon? Oh, on est baisé. Putain, super potion. On va utiliser toutes ces super potions. Faut pas qu'Ogar meure. Si Ogar meurt, c'est la fin d'El Mundo. Onde de choc. Combien de PP sur onde de choc là? Ça fait 1. Là, ça 3. Quatrième fois qu'il utilise. 15, d'accord, ça fait 4 fois. 5 fois qu'il utilise. Putain, il fallait sortir l'âge, ouais, mais bon, c'est pour ça, j'en étais sûr, Ogar il prend trop cher.
Ogier, je comprends pas, il a 0 de défense quoi ce mec. Ah oh, 6 fois putain, non mais c'est la merde. Ouais non mais tu vas pas y arriver, bah ouais ouais ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait putain? Ah mais je gaspille pas toutes les potions mais c'est la merde. Ah voilà je meurs quoi. Ah ouais non mais ouais ouais ouais. Galekid quoi. Crap please. Oh sérieusement. Là je me fais voler quoi. Mais attends, j'ai jamais eu ça face à Magneton hein. Magneton je pouvais changer de Pokémon, je comprends pas. Genre là il me dit ouais nanana. Éclatroc. Bon il baissait sa défense. Ah putain. Cage éclair. Tu rates ton attaque. Tu rates ton attaque. PD va. Concernant le fait que ce soit super efficace, mais c'est pas super efficace. Tu rates ton attaque, ma gueule. Ouais, c'est bien ça. M'en fous, il y a un truc et je peux pas être paralysé. Ah ouais, mec, regarde. Boum. Je suis pas paralysé, ma gueule. Allez. Allez. La baisserise. La baisserise qui est là. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, utilise ta super potion. Fais le malin. Fais le malin avec moi. Bon, concernant le fait que ça lui a jamais baissé sa défense, ce serait peut-être bien un jour que ça lui baisse. Baisse sa défense. Voilà, merci. Mais c'est sympa. Très gentil. Enculé de rire, quoi. C'est pas vrai. Oh là 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 là. C'est incroyable. Attends, Pokémon. Pokémon. Ogar est mort. Ah, on peut pas récupérer les items des mecs qui sont... Ok, bah va te faire foutre. Va bien te faire foutre. Éclatroc. Bon, j'espère que là, je tank. Hein. Tank pas du tout. Oh, il est paralysé. Non, là, normalement, il me reste un HP, on est d'accord. Il me reste un PV. Voilà, éclatroc. Bien joué, bien joué. Très bien joué. Soda cool. De toute façon, on a sauvegardé avant. Moi, je quitte et je recommence le combat. Je me suis fait voler par l'explosion. Je suis désolé. Hein. Attention. 33, c'est bon, il ne me tue pas. On tente un éclatroc. Oh, alors on loupe son Sonic Boom, on est nul. Bien joué ça. Bien joué ça. Ça. Voilà. C'est ça que je veux, la defense. En deux chocs. Bon, il a bientôt plus en deux chocs, hein, normalement. Là, ça doit être la 8ème fois, 8-9ème fois qu'il utilise. Meurs. Eh ouais, mon gars. C'est bon, soda cool. Bon, on va l'avoir, Voltaire. On va y arriver. Typical compagnon, mais pas du tout, mais n'importe quoi. Mais Balgren, il serait déjà mort. Ah non, pas du tout, parce que Balgren. Quoi? Attends, il se fout de ma gueule, le mec. Comme ça, au calme. Alors là, je suis méga choqué. Je tenais à le dire, je suis méga choqué. Enfin. Allez, baisse sa défense un peu là, s'il te plaît. Bah voilà! Très bien ça! C'est ça que je veux. Par contre, concernant les PP d'Éclatroc, qui y en a plus beaucoup. Hein, donc ça c'est un peu chiant. C'est la pression. Oh là là, mais le mec il fait que en deux chocs. Là normalement il me tue pas, il me resterait 2 HP. Ah merde, non, pas forcément. Vas-y, on le tente, éclatroc. Allez, 1 HP. Oui. Oh putain. Oh non, je suis paralysé. Oh mais merde. Putain, ça me saoule. Trindamer, ouais, non, mais moi j'ai des typical tri. Là, il me reste un HP, on est d'accord. Un HP. Mon gars, tout à l'heure j'avais 30, et il me reste un HP. Sinon, je quitte le jeu. Va te faire enculer. Va bien te faire enculer. C'est n'importe quoi. Il me restait un HP tout à l'heure, ça a très bien marché. Là, non, je ne comprends pas. Blablabla. Putain, Sarent. Et là, Sarent, il sert à rien, quoi. C'est le problème. C'est Sarent, c'est plus la merde. Oh là 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 là. Pfff. Non mais c'est bon quoi, ça me saoule. J'ai baissé sa défense. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse vive attaque? On fait quoi là? Non mais ça sert à rien là.
c'est n'importe quoi, c'est du vive attaque, tiens, vive attaque. Ça fera plus de dégâts puisqu'on a baissé sa défense. Mais... faudrait que je fasse des coups critiques là, ce serait bien. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Mais en même temps, il chatte, hein, je suis désolé, le dresseur en face, enfin le champion de l'arène chatte, mais de ouf. Genre, ça chatte de ouf quoi. Là, c'est ça, ouais, loupe. Allez, un petit coup critique là, de la Mifa. Faut pas qu'il mette sa cage éclair, sinon je suis dans la merde. Nice! Là, il meurt. Là, tu meurs, PD. Meurs! Ok, alors là, c'est Elex Sprint. On a des potions, on a des trucs. Ok, on a des trucs. Oh, les gars, on a des trucs! On fait quoi contre Elex Sprint? Les mecs. Je peux pas faire vie attaque, sinon je me retrouve paralysé. Vol de vie. Onde de choc, normalement, ça me fait 0 dégâts. D'après la théorie du complot, ça fait 0 dégâts. Voilà, très bien joué. Oh, j'ai la pression. Nice. Quoi? C'est ça, les dégâts? T'es sérieux, mon gars? Est-ce que Tayad... Spam Tayad, ok. Le problème, c'est que là, il va augmenter ses dégâts avec grondement. Et ensuite, il va me faire des vives attaques qui vont me défoncer. Quoi? Oh, j'en étais sûr. Putain, mais non. Tayad, ça... Oh là là, Tayad, ça fonctionne sur la paralysie. Putain, mais la chatte. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai, putain. Oh, je suis dégoûté, quoi. Oh, il va me one-shot. Il va me mettre une vive attaque. Je vais prendre trop de damage. Avec full grondement, là, il a juste à attendre et c'est bon. Bon, 26 HP, c'est normal, je survie. Putain! Il sort d'où le coup critique? On bat les couilles, je recommence. Merde. Bon, j'ai cassé le clavier. Désolé. J'ai pété le clavier. Bon. Bon, alors on va recommencer. On va changer un peu la stratégie. Concernant Voltorb. Mettre au gars en premier, je m'en bats les couilles. Oh, là je suis méga vénère. Là je suis méga vénère. Là juste y a pas de mots, je suis juste énervé là. Là je vais casser des têtes. Quel bâtard quoi, putain. Non. Là c'est au gars en premier, l'autre il a intérêt à utiliser ce truc de merde de l'explosion là. Putain. Tu vas direct pas trop. Il va me one shot avec un Voltorb. Mais non, mais il va pas me one shot. Destruction, ça me fait. C'est pas très efficace. Le truc, c'est que. Faut pas que je prenne une étincelle de Genny là. Bon bah, étincelle. Pourquoi Ogar est paralysé? Pourquoi? Pourquoi étincelle? Genre, il me paralysait en un coup là. Pourquoi cette connerie là? Meurs. Là, normalement, je meurs pas. Ça m'enlève pas 40 HP, on est d'accord. Voilà! Ben va bien te faire enculer! Voilà, non. Hop. Ok. Ok, c'est ça, ouais, fait grondement, mec. Donc là, il est pas censé me tuer, on est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Je baisse sa précision. Ok, bon, Voltaire, là, il commence à me casser les couilles. Voilà, c'est bien, fais grondement. En plus, ça lui sert à rien de faire grondement. Ça, c'est... Comme ça, c'est clair, net et précis. PD. Bien joué, ça, très bien. Ok. Là, s'il me tue, je... C'est
c'est bon, il m'a pas tué. Je voulais pas regarder. Donc il est mort. Ce pédé. Oui, on va changer de Pokémon. On va prendre Zerator. Ok, maintenant mon gars. Maintenant ça va être dur. Maintenant c'est très très dur. Là il faut prendre l'Edge. Là faut qu'on prenne l'Edge. Faut prendre l'Edge, obligé. Donc sac. Et ça va bien. Super potion. Voilà, c'est très bien. Là tout va. Ok, on est d'accord. Oui, tue-moi. Bon, bravo Zerator. Bravo encore Zerator. Oh là là là, tu joues mal. Mais alors les gens me disent que je joue mal. Mais et si vous voulez, je joue mal. Mais je m'en fous en fait. C'est pas un problème. C'est juste que je vous donne la même équipe. On va voir si vous faites la même chose avec la même équipe. Moi je me fais une équipe de Pokémon que j'aime bien. Après, passer les arènes c'est 10 fois plus dur, c'est sûr. Mais j'aime bien ces Pokémon. Donc je prends cela, c'est tout. Y a pas de voilà. Alors concernant Ultrason, je déteste ce truc. Non, là je t'ai pas confus. Là je t'ai pas confus. Mon gars t'es pas confus. Tu fais éclat rock, bien joué. Et tu lui baisses sa défense en même temps, je suis sûr. J'en suis sûr. Pas du tout. Sonic Boom. Ça te tue pas normalement, t'inquiète. Onde de choc, à part si tu te frappes comme une merde maintenant. Donc tu te frappes comme une merde maintenant, c'est bien joué, ça très très bien joué. Là même l'onde de choc n'est pas censé le tuer, on est d'accord. La 36 HP, il n'est pas censé me tuer. Il me reste au moins 3 HP, 6 HP, voilà. Non, d'accord. Oh merde, j'ai oublié. Oh non. Mais je suis nul. Oh là là, je suis trop nul. Je suis trop dégueulasse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai une stratégie. J'ai une stratégie à base de Sarenz. J'ai une stratégie, d'accord. Donc là, on va faire. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, toutes les attaques que j'ai sont nulles contre Magneton. Est-ce que ça vaut le coup de faire que des taillades, à votre avis? Est-ce que ça fera plus de dégâts? Non. Non. Bon bah poursuite alors. C'est pas worst, d'accord. Ah mais là, enfin putain, là je sais pas ce qu'il nous faut mais... Oh mais cage éclair quoi, va niquer ta mère. Et attendez, j'ai pas des items qui me permettraient genre de lui mettre la bite. Non, genre je vais aller voir. J'ai pas des items qui me boostent mes capacités genre en mode... devient super trop fort, vitesse plus... Attends, la croissance, on s'en fout. Muscle plus. Le taux de critique pendant les combats. Ah ouais, pas mal ça. Bon, j'ai que de la merde apparemment. Bon bah écoutez, on va rester comme ça pour suite. Le truc c'est qu'il me paralyse. Il veut me paralyser à chaque fois ce chien. Oh, il réussit, putain. Je vais utiliser le super bonbon pour appeler quelqu'un après. Oui, je le garde le super bonbon. C'est vrai que ce super bonbon peut toujours servir. Bon, ça touche. Pour l'instant, ça va. Ah, il peut pas me tuer encore. Hein. Ah, ça par contre c'est chiant. Ça par contre c'est très chiant. Ça c'est très très chiant. T'es pas confus, Sarenz. T'es au-delà de tout ça. T'es pas au-delà de tout ça. T'es nul. On va utiliser une super potion. Super potion. On a encore de quoi faire là. Il faut temporiser. Ce qui est chiant, c'est les statues qui nous met quoi sont infâmes. Voilà. Donc 20 de dégâts poursuite. En deux chocs, ça ne nous tue pas. Impossible. 39 HP. Je crains pas l'électricité. C'est 0 dégâts. Alors, le mec, il me fait un coup critique sur une onde de choc. Alors là, j'aurais tout vu. Sarenz n'est plus con. Oh, j'ai eu méga peur. Alors là, mon gars, j'ai eu la méga peur de ma vie. Méga, méga peur. Ok, super posture sur Sarenz. Allez, Sarenz, putain! Après, il nous restera Alex Sprint. Le truc, c'est que Alex Sprint. Alex Sprint, voilà. C'est plutôt fort aussi. C'est pas très efficace. Eh oui, c'est pas très efficace. Tu crois quoi? C'est nul. C'est même nul. Là, un Sonic Boom. Ok, parfait. Très bien. Très très bien ça. Poursuite encore. Sonic Boom. Très bien. Bon, après, je fais une petite super potion. Voilà, petite poursuite qui passe. Si, au calme. Aïe. Sac. Sac, non. Sac. Super potion. Le truc, c'est que ce que j'aurais aimé faire, mais c'est pas possible, parce que le magnéton a plus de vitesse que mon copain, c'est que j'aurais aimé faire le mettre très très low life avant qu'il puisse utiliser la super potion, parce qu'il y a un cap avant qu'il utilise une super potion. Et ensuite, je prends Hogar, je fais juste coup de boue et il meurt. Il meurt direct. Genre, il meurt instant. Très bien.
Là, il me tue pas, hein, normalement, d'après la théorie du complot. Là, il me fait 20 HP maximum. Me tue pas. Voilà, très bien. Bravo. Très, très, très intéressant. La poursuite qui passe. Voilà, c'est très bien. Là, normalement, il va utiliser bientôt une super potion. Putain, j'ai trop le stress. Dès qu'il est dans le rouge, il va utiliser super potion, c'est sûr. Là, il fait pareil. Voilà, super potion, bravo. Très, très marrant. Ah, lol. MDR. Hashtag rire sur les réseaux sociaux. Ah, tu loupes ton attaque, hein. Bien joué, Sarinx. Oh, putain. Il est paralysé, comme de par hasard. Oh, il loupe son attaque, bien joué. Allez, Sarinx. Voilà la poursuite. Oh, les dégâts monstrueux de Sarinx. À la poursuite, le Sonic Boom. Oh putain, il est paralysé, bordel de cul. Allez mec, putain, meurs pas quoi. Fais des efforts. Oui, le coup critique, allons-y. Est-ce qu'on en parle là, de ce coup critique? Ce coup critique de merde. Et je suis obligé d'utiliser toutes mes super potions sur lui quoi, c'est trop chiant. Il me reste encore les soda cool, hein, je les garde, mais bon, il me reste 3 super potions, ça fait chier quoi. Non mais, hey, vol de vie, ça sert à rien, je vais vous montrer les dégâts de vol de vie. Montrer les dégâts de vol de vie. Vous allez voir que c'est nul. Trop nul. Poursuite, c'est la meilleure attaque, je trouve. Parce que regardez, vol de vie. Attention. Sonic Boom, bien sûr. Attention, les dégâts de vol de vie. Voilà. Ils sont encore moins grands que ceux de poursuite, en fait. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais bon, si vous voulez faire vol de vie, je fais vol de vie. Parce que vous savez que c'est meilleur et tout, apparemment. Mais pas du tout. Oh là 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 là. Mon gars. Parfait. Utilisons une super potion. Bon, je pense qu'on est dans la merde encore. Le truc, c'est que j'ai aucun Pokémon à part Ogre, quoi. Est-ce que je peux lui faire utiliser toutes les PP? La honte de choc, ça fait combien de fois qu'il a utilisé? Normalement, au bout d'un moment, il a plus de PP, hein, il peut plus l'utiliser. PC ou pas, parce que j'ai vu des gens qui disaient ouais, mais non, c'est pas possible parce que de toute façon, les PC ils s'en battent les couilles, blablabla. Mais pas du tout, hein. Ils ont des PP comme tout le monde. Donc ça fonctionne. Oh, oh, coup critique! Alors ça, mon gars, tu t'y attendais pas. Alors ça, mon gars, tu t'y attendais pas. Coup critique sur vol de vie. Ah, ça, tu t'y attendais pas. Allez, t'es pas paralysé, Sarinx. Nice. Oh, nice, Sarinx. Bien joué, ça, mon gars. Tu passes au-delà de la paralysie. C'est bien, ça. Bien joué, bien joué. Alors, attendez. Sonic Boom. Ah non, putain, il est paralysé. Merde. Utilisons une autre super potion. La dernière, et après on a les sodas. Donc c'était la dernière super potion que j'utilisais, en tout cas pour Sarinx. Maintenant faut que je le mette suffisamment mal pour que quand je fasse un coup de boue avec Ogar, quand Sarinx va mourir, je puisse le one shot. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça c'est ma strat en fait. Ça c'est ma strat. Bon, de choc ça va, c'est pas... Il a combien de PP encore là? En de choc c'est 20 PP, tes popos environ 15, tu peux pas acheter popo ou... Non mais même il a... J'ai pas utilisé que des popos pour chaque onde de choc en fait. Là il en a claqué beaucoup des ondes de choc déjà. Donc vous voyez ce que je veux dire. Du what I mean. Onde de choc. Là onde de choc il a utilisé quand même beaucoup. Là c'est méga bien. Non ça c'est ma strat les gars. Là faut que ça passe, vol de vie faut que ça passe. Il faut que tout passe. Là je sais que je vais crever au prochain tour. Ah non putain peut-être pas. Là s'il fait Sonic Boom il me tue pas. Onde de choc il me tue pas à part s'il fait un coup critique de chatard de sa mère. Il fait pas un coup. Allez, là tu l'as. Vol de vie, mon gars. Bien joué. Bien joué, ma gueule. Et là, faut que je meure en fait. Oh putain, quel FDP. Il se soigne maintenant. Oh, je suis trop deg. Oh, ma strat tombe à l'eau. Oh, ma strat tombe à l'eau. C'est-à-dire que je voulais à tout prix le mettre très très low life. Ma stratégie tombe à l'eau. Ouah, ça m'énerve. Tant pis, j'utilise un soda cool. Je vais disque. Oh là 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 là. Pourquoi t'as pas changé avant? Parce que quand je vais changer, je vais perdre 2 tours. Je m'explique. Si là je change de Pokémon pour prendre Ogar, au moment où je vais changer de Pokémon, Ogar va prendre une attaque de Magneton, puisque lui ne change pas de Pokémon, ce qui est logique. Et deuxièmement, je vais prendre la Mega Beat au tour où je vais attaquer, puisque mon Galekid est moins rapide que leur Magneton. Enfin, que son Magneton. Et du coup, je vais mourir. Et du coup, c'est trop chiant. Mais là, il a plus en deux chocs normalement. Ça fait combien de fois? Non, mais arrêtez avec Tayad, hein, par contre. Tayad, c'est de la merde. J'aurais déjà jamais dû la prendre, cette attaque. Tayad, stacké max, même stacké max, ça nous fait 0 dégâts. 0 dégâts, le mec. Il prend 0 damage. On va lui faire vivre l'attaque si tu veux.
Ah, je suis paralysé. Donc, je suis mort. Sonic Boom. Non, de choc. Adieu. Merci, Sarah, d'avoir participé. Tu as été très très bon. Oh, 2 HP. Voilà, je suis mort. Oui, je laisse contre acier, bien sûr. Mais vive attaque, du coup, même si je suis paralysé, j'attaque en premier, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, par contre, en 2 choc, il a combien là? Il a combien là de onde choc? Il a utilisé combien? 1 million 1 million 200 milliards. Allez, Ogar. Non, t'es. Et Ogar! Oh putain, ça j'ai trop peur. Ça je déteste les ultrasons. T'es pas confus, Ogar, mec. T'es là. T'es avec moi. Putain, mais Ogar. Sérieusement, Ogar. Sérieusement, Ogar. T'es pas confus. Là, je prends aucun risque. Je prends aucun risque de type risque. C'est-à-dire que j'utilise direct Soda. Je m'en bats les couilles. Non, parce que là, c'est. Ici, il a une onde de choc. Voilà. Tu vous voyez? Regardez le FDP du net. Là. Oh là là. Mais je peux pas en fait. Juste, je peux pas le tuer avec Ogar quoi. Il est trop rapide et onde de choc, c'est trop fort. C'est méga trop fort, onde de choc. C'est ouf. Et surtout, combien de PP il a sur onde de choc? Putain! Vous êtes sérieux là? Oh là 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 là, je vois pas, hein, je vois pas du tout. Je peux pas mettre la défense spéciale. Je suis mort. En deux chocs encore, je sais pas. Il y a combien de PP? Je sais pas. Enfin, vous me dites de la merde, hein, je suis sûr. Mais si, les champions ont des limites de PP, les gars, bien sûr que si. Bien sûr que si, ils ont des limites. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Putain, ça me saoule. Concernant Xari, lui, il va se faire one shot. Hein. Xari, c'est. Ouais, ok, c'est ça. Après, onde de choc et fin du game. Oh là 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 là. Pff. Moi, je les confuse. C'est déjà ça. Quoi. Ah, et lui, il va pas se frapper, il va me tuer. Voilà. Ah non, il me tue pas. Pas mal, ça. Et s'il change de Pokémon? Change de Pokémon, je ne sais pas. C'est 20 PP en deux chocs, mais bon, non, pas du tout. Super bonbon sur Ogar, pas maintenant. Est-ce que je change? Est-ce que je peux changer ou pas? Oui, je peux changer. Là, cette fois-ci. T'es posé là. Il faudrait qu'il se frappe la magnéton. T'es confus, c'est bien. Frappe-toi, PD. Voilà, bien joué. Putain, on l'a tué. Ok, on l'a tué. Donc là, c'est la merde. Non. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Là, c'est la merde. Là, oh non, mais là, c'est la merde. Là, on fait les super bonbons. On fait les super bonbons. Quoi? Oh là là, on peut pas utiliser super bonbons. Pourquoi? Super, lui se fait one shot. Ok, parfait. Bon, bah on a perdu, hein. On va utiliser Xari maintenant. Xari va se faire one shot par une onde de choc et ce sera terminé. Wow, j'ai copié le calque statique. Trop cool. Attention. Oula, il fait grandement. Oula, il fait grondement, il est malade. Allez, choc mental. Meurs. Oh là là, coup critique. Oh là là. Oh putain. Oh, c'est la game. Oh, c'est peut-être la game. Oh oui. Oh là, c'est peut-être la game, les gars. Oh putain. Oh sa mère. Oh non. Mais non. Oh, Bécitrus. Oh, quel bâtard. Oh, quel bâtard. T'es confus, mec, tu te frappes la gueule. Oui. Enculé de rire. Allez.
Il est confus. Frappe-toi la gueule. Oui. Oui mon gars. Oui. Oui. Mais oui. Mais putain. Mais oui. Mais voilà. Alors Voltaire, on t'a niqué la gueule avec Zary. Mais oui. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la game. Oh mais trop facile Voltaire. Oh trop simple. Oh là là. Oh putain j'en peux plus. Oh beat the Xari. Oh my god. La win inattendue. Oh mon dieu. Oh putain. Oh j'en peux plus. Oh je suis... Allez j'en peux plus. Oh my god. Bon ça m'aura coûté un clavier, oui c'est vrai. On l'a battu Voltaire. Voilà Voltaire. T'es nul à chier. Tu pues la merde. Pouh. Ok. Ah il va me donner quoi? Il va me donner onde de choc. C'est ça? Quel bâtard quoi. Quel bâtard. Onde de choc mon gars. T'as trop t'es un tricheur. Super. Je t'enregistre mais je rejoue jamais contre toi. Je me barre. Oh là là. On a battu Voltaire. Et voilà. Trop easy. Franchement c'était simple. Franchement c'était facile. Faut l'avouer. C'était plutôt facile de battre Voltaire. Alors on va aller soigner, on va sauvegarder. Oh putain j'en peux hup. Là ça y est l'aventure continue. Ça faisait 3 putains de l'aspect qui ont été bloqués là dessus. Sauvegardant. Et là t'imagines là le truc se... Non putain j'imagine pas, ça fait pas rigoler du tout là. Le truc se coupe, je pète un câble. Sauvegardant, sauver. Oui, oui je sauvegarde. Bien sûr. Voilà, oh là 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 là, cette pression les gars. Oh my god, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je suis craqué complètement. On a réussi les amis, merci à tous d'avoir suivi cette énième partie du Let's Play Pokémon Emerald. On a réussi à battre Voltaire et ça on peut le noter dans les livres d'histoire, c'était quand même extraordinaire. Moi je vous retrouve juste après, bah non mais pas du tout en fait, puisque je vous retrouve pour une prochaine partie du Let's Play Pokémon, puisque c'est une VOD donc c'est sur YouTube, donc je dis n'importe quoi. Merci d'avoir suivi, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, facebook.com/jirecochon, twitter.com/jirecochon, et également vous abonner à la chaîne Xary et Gigi. N'hésitez pas à aller checker les dernières vidéos, hein. Xary a sorti une super vidéo compile sur League of Legends justement qui est... Epic LOL Time, et c'est vraiment excellent. Donc n'hésitez pas, cliquez comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain Let's Play. Ciao.